Des mots. Ouais. Featuring Andrew Wajlow. Oh! Ça, là, ça, ça. Là, je suis content. Je vais pouvoir écouter. Puis Ben oui, tu peux laid back. Je pèse pause à toutes les fois que j'ai une nouvelle image, Jason. T'as ma promesse. Là, on avait le dense et le solide de Stéphane Roussel. Maintenant, on s'en va dans la sauce. Oui. Ah. Ce qui est très, très bien. Là. Oui. Donc, le programme de ce soir, on va se concentrer sur l'Ukraine. En première partie, on va aborder la question du nazisme ukrainien, appelons ça comme ça. C'est un sujet qui est constamment répété par les Russes, un sujet qui a une réalité en Ukraine et que je vais régler. Ben, je n'ai pas la prétention de régler, là, mais on va décrire ce soir qu'est-ce qu'il en est. Après ça, on va aller voir dans les médias russes comment ça s'est utilisé pour justifier cette guerre-là. Puis après ça, on va aller voir, vu que les troupes russes ont battu en retraite la semaine passée, mais là, les villages commencent à être libérés. On découvre qu'il y a eu beaucoup de massacres. Et il y a beaucoup de fake news puis de théories du complot qui tournent autour de ça. On va passer à travers une coupe pour les démonter une par une. Ah, j'aime ça. J'adore ça. Donc, ce qu'on voit à l'écran, tu te souviens que j'avais fait mon épisode sur Vladimir Poutine? Je vous avais présenté la statue de Vladimir le Grand qu'il avait fait élever à Moscou. Oui. Se réclamer un peu là, de l'Ukraine, c'est à moi, là, parce que c'est le berceau de la civilisation russe. Oui. Vladimir le Grand étant le premier prince de Kiev. Ce qu'on voit à l'écran, c'est la statue de Olga de Kiev, qui est la grand-mère de ce personnage-là. Wow. C'est à Kiev, ce qu'on s'appelle la place Saint-Michel. Donc, là, on voit qu'ils ont protégé la statue pour, à cause que les troupes russes étaient à côté, pour se protéger des bombes. Ils ont monté à bout de bras, là, ça a l'air d'une pyramide de sacs de sable. Oui. Okay. Mais ce que je trouve cool, c'est pour protéger leur culture. Et moi, ce que je trouve, ça envoie un message qui est quand même intéressant, c'est de se réclamer de ce... Tu as comme un gros enjeu en Ukraine autour de leur identité. Okay. Et pendant longtemps, là, pendant des siècles et des siècles, comme j'ai déjà mentionné dans les épisodes précédents, l'Ukraine, ça a tout le temps été comme la colonie du voisin. Hein, t'sais. Okay. Ils ont été là, envahis par les Mongols, ils ont fait partie de la Pologne, ils ont fait partie de l'Empire austro-hongrois, ils ont fait partie de la Russie tsariste, ils sont devenus une province soviétique. Mais Jason, c'est le grenier à foin de l'Europe, tout le monde veut l'avoir. Là. Même Hitler, il voulait aller parce chercher. Que le sol ukrainien est un des plus productifs en agriculture et c'est aussi stratégiquement bien placé. Moi aussi, je le veux à cette heure. Là. Ça, fait tu sais, mais au sein de toutes ces guerres-là... C'est pour ça qu'au risque, tout le monde attaque l'Ukraine. Mais... Oui, mais pour s'affirmer puis être indépendant là-dedans, puis on a un peu l'expérience au Québec avec ça, c'est la langue, l'identité, qui on est, c'est tout le temps très important et mis de l'avant. La statue d'Olga, elle a été abattue par les bolcheviks en 1919. Cette statue-là, ils l'ont vécu ça à terre. Okay. Elle a été reconstruite en 91. En fait, c'est en 94, je pense. Ça a pris une couple d'années, le temps qu'ils ramassent les fonds. Ouais. Et là, ils sont en train de... Il y a peut-être une menace qu'elle se fera endommager. Fait que là, collectivement, ils ont érigé cette palissade-là. Ouais. Je trouve que c'est une allégorie intéressante là, par rapport à ce qui se passe. Mais t'as aussi un dark side à ça. C'est que... Pèse pas supplé tout de suite. Non. T'as, à travers là, cette espèce de colonisation-là, puis de vouloir s'affranchir de ça, il s'est développé en Ukraine des courants nationalistes un peu plus extrémistes que les autres, notamment d'extrême droite, là, puis des appelons-le par son nom, là, certains courants néo-nazis sont moins gros que ce que la Russie essaie de nous faire croire, mais sont là quand même, puis je trouve que les deux se nourrissent un de l'autre. OK. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est une vidéo, c'est un reportage de 2014. Attachez votre truc, ça va être vraiment rough. C'est un camp de jour d'une de ces organisations-là
d'extrême droite nationaliste. Ça va te rappeler beaucoup, Tommy, tu as fait passer souvent le documentaire Jesus Camp. Oui. Oh, oui. Pourquoi je mentionne ça, c'est que on a des choses un peu semblables en Amérique du Nord. Au Québec, mais aux États-Unis, il y a des camps de vacances pour les enfants, parce qu'on les embrigade dans la religion, les milices, ces choses-là. En Ukraine, à partir de 2014, ça a été poussé encore plus, une coche plus loin. Là. Okay. Je t'invite à peser sur Play, puis on va regarder ça ensemble. Vous allez voir, c'est très saucé. J'ai décidé de mettre la trame sonore de Battle of Olympus au NES en background quand on parle. Pour s'entraîner, on entraîne les enfants, non pour entraîner. Je vais nous mettre toutes ces discussions sur les genres qui ont perverti les valeurs des bolcheviks modernes. Les valeurs modernes, ça vient des bolcheviks. Ouais. Les LGBT, les parades gays. La fois, ils disent que ça vient du communisme. LGBT, ces gay parades. Les nationalistes ont été accusés de violence et de racisme et ils ont joué un rôle central. Garder des liens avec le gouvernement. Oh ben. Une Europe blanche est notre but. Ben ouais. À n'importe quel moment, les choses peuvent mal aller dans notre pays. C'est pour ça que je viens dans ce camp-ci. J'essaie d'étudier comment protéger ceux que j'aime dans l'amour et les vibrations. Tabarnak, hein? Ouais, c'est intense, hein? Ah ouais, ben ça, c'est ce qu'on a vu, c'est c'est les camps de vacances. Là, l'organisation s'appelle Svoboda. Je prononce probablement mal. Là. C'est un des... comment je pourrais dire ça? C'est le Maxime Bernier de l'Ukraine. C'est un petit parti. C'est pas un gros parti politique. C'est un micro-parti là, qui fait en dessous de 2% aux élections. Okay. Fait que c'est pas comme une grosse force en Ukraine, mais ils ont quand même un certain poids dans le discours. Ils ont quand même connu une heure de gloire là, parce qu'ils ont totalement embarqué notamment là, les discours anti-vaccins, ces choses-là. OK. Ils disaient notamment, là, parce que au début, l'un des premiers vaccins qui était disponible, c'était le Sputnik des Russes. Oui. Ils disaient, dans le fond, c'était une façon des méchants russes pour asservir les Ukrainiens. Donc, c'est une des fameuses milices nazies là, présentes Jason, en Ukraine. Jason! Les nazis ukrainiens, ils ont politisé le vaccin avant que ce soit cool. Mais ça, ce que je te parle, c'est l'année passée. Là. Oh, oui, avant que ce soit cool, man. Personne ne savait que c'était pour pogner partout, ça. Ils l'ont fait. Ce que je trouve drôle, c'est qu'eux, ils mettent la faute sur Poutine, alors que nos anti-vax, ils disent que Poutine va nous sauver des vaccins des mondialistes. Ben oui, c'est là que tu vois à quel point c'est n'importe quoi. Là. Ben oui. Ce que tu vois à l'écran, ça, c'est une autre statue. C'est Stepan Bandera, qui est, pour ces gens-là, un héros en Ukraine. Un personnage assez controversé. Et pas mal là, autour de ce que tous ces discours-là tournent. Stepan Bandera, c'était un nationaliste ukrainien. Cette statue-là est à Lviv. Je prononce probablement mal, mais c'est la plus grosse ville dans l'ouest de l'Ukraine. Et qui était, dans les années 30, sous autorité polonaise. Ça faisait partie de la Pologne. OK. T'sais, la Pologne s'était découpée un morceau de l'Empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale. OK. Et Stepan Bandera, il considérait... T'sais, ce gars-là rêvait d'une Ukraine indépendante. Dans les années 30, il s'est impliqué, il a créé un parti politique. Et pour juste faire exprès, là, j'ai un blanc de mémoire sur le nom du parti politique, là, mais... Son nom, c'est Stepan Bandera. Il a créé un parti politique d'extrême droite. Là, tu sais, c'est les courants fascistes des années 30. Okay. Ce qu'il voulait, c'était une Ukraine indépendante. À un moment donné, là, lui et sa gang, ils ont assassiné un ministre polonais et il s'est ramassé en prison. OK. En 1939, la Russie soviétique et l'Allemagne nazie ont signé une entente ensemble. C'est le pacte germano-soviétique. Oui. Le but, c'était on fait une paix.
L'Allemagne nazie, ce qu'elle voulait, c'est que son, dans le fond, son côté S soit en sécurité pendant qu'elle fait la guerre à l'Ouest, à la France, puis ça. Fait qu'ils se sont dit, on va se splitter la Pologne en deux, l'URSS et l'Allemagne nazie. Tu sais, on connaît l'histoire. En 1939, l'URSS et l'Allemagne nazie envahissent la Pologne. Et la partie polonaise qui est envahie par l'URSS, c'est notamment c'est la partie ukrainienne. C'est vrai. Parce que les Soviétiques trouvaient que c'était logique, tu sais, de prendre toute l'Ukraine qui était une république soviétique. À ce moment-là, Stepan Bandera, il s'est fait libérer de prison pour ce qu'il avait fait aux Polonais. Et il est devenu un agent infiltré de l'Allemagne nazie en Ukraine. Oh boy! Et ce qu'il s'était fait promettre, Stepan Bandera, c'était que c'est comme le secret caché là, qu'éventuellement, il allait avoir une guerre entre l'URSS et l'Allemagne. OK. Donc, lui, ce qu'il s'était fait promettre, c'était et nous, une fois qu'on va envahir l'URSS, nous un coup de main, puis on va aider ton parti politique à fonder un État indépendant, une Ukraine indépendante. Fait okay. Lui, il a embarqué dans ce projet-là automatiquement, là, let's go. Okay. Le problème, c'est qu'il s'est fait fourrer. Donc, en juin 41, les Allemands envahissent l'URSS, notamment l'Ukraine. La gang à Pandera aide l'Allemagne nazie qui débarque. Mais automatiquement, tu sais, l'Allemagne peut pas tolérer. C'est leur plan, ce qu'ils veulent faire avec l'Ukraine, n'est pas. Ils veulent en faire une colonie pour eux-mêmes. Ouais, 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 ils veulent ouais. que le peuple ukrainien soit leurs esclaves qui va travailler les champs de blé et ces choses-là. Oui, ouais, ouais, j'ai déjà entendu ça. Ils pognent Stepan Bandera et ils crissent dans un camp de concentration pendant l'été 41. Tabarnak, hein? Ce gars-là a passé la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration. Éventuellement, quand les Soviétiques vont reconquérir l'Ukraine après la bataille de Stalingrad et la bataille de Koursk, les Allemands ils battent en retraite de l'Ukraine. Pour mettre des bâtons dans les roues de l'armée soviétique qui avance, ils vont libérer Stepan Bandera. Okay. Ils vont lui dire, tu sais, comme on retourne en Ukraine, puis fout le bordel, tu sais. Mais c'est comme non, là, c'est des unleash your fuzzy shit. Ouais, tu sais, de créer une guérilla. Fait que c'est exactement ça qui va se passer. Il va y avoir l'armée des patriotes, l'armée des partisans. Et c'est le drapeau qu'on voit, le drapeau rouge et noir qu'on voit à droite. Okay. Lui, éventuellement, son armée va faire une guérilla contre l'armée soviétique jusque dans les années 50. Wow. Ça va, tu sais, j'en avais parlé la semaine passée, ça va durer longtemps, une espèce d'opposition des Ukrainiens contre les Soviétiques. OK. Ben, veux pas, là, on est après l'Holodomor, puis tout, il y a les Ukrainiens... Oui, non, mais ça fait partie de ça, là. Okay, eux voyaient pas comme légitime le fait qu'ils étaient contrôlés par des Soviétiques. Ben oui. Ils voulaient une Ukraine indépendante avec le langage ukrainien, puis ça. Puis lui, poussant à l'extrême, c'est dans le courant des mouvements fascistes. Ouais. Il va perdre, tu sais, son affaire, ça va pas fonctionner, comme on le sait. Il va s'exiler en Allemagne de l'Ouest, et il va être assassiné par le KGB en 1959, si ma mémoire est bonne. C'est quand même, excuse-moi Jason, là, mais je pense que c'est une excellente année pour se faire assassiner par le KGB 1959. C'est la meilleure. Je vais t'un peu oublier, puis quand l'Ukraine devient indépendante en 91, il y a des nationalistes de droite et d'extrême droite qui vont essayer de le réhabiliter. Puis tu sais, ça va se faire comme tranquillement, comme cette statue-là. C'est la ville de Lviv qui, en 2007, le parti municipal au pouvoir, sont proches des idées nationalistes ukrainiennes, vont ériger cette statue-là pour commencer tranquillement à faire un genre de René Lévesque. Là, je comprends ce que tu es en train de nous dire. Là, t'es... OK, puis depuis le début, je me demandais en esti aussi pourquoi il y avait une statue de ce gars-là. Mais là, là, c'est comme une figure nazie pour ceux qui veulent le weaponiser nazi, mais c'est en même temps une figure nationaliste pour les Ukrainiens qui voulaient avoir le pays puis se débarrasser de leur maître. Exactement. Puis lui, son histoire est vraiment pas rose parce que dans la guérilla qu'il y a eu en Ukraine, ils ont notamment tué beaucoup de Juifs et de Polonais. Le gars, il avait vraiment. C'est drôle. Quand tu lis son histoire, là, le gars, il avait vraiment un beef avec les Polonais. Là. C'était comme. Okay. C'était genre, les Polonais, c'est le mal. Genre. OK. Fait que c'est un gars qui a du sang sur les mains. Là. Puis, moi je trouve que ce gars-là nuit à l'image de l'Ukraine. Le fait qu'ils ont
Puis ça, by the way, c'est pas le. C'est pas comme le gouvernement actuel de Zelensky, ils sont pas des banderistes. Les Russes, là, ils disent, vous allez voir là, dans les vidéos qu'on va écouter ce soir, ils parlent des banderistes. C'est ça, c'est les. Tu dis des hitlériens, tu dis des banderistes. Ceux qui aiment le nazi, là, entre guillemets. Là. Ouais, okay. C'est une façon là, de les coller. Mais en même temps, t'as quand même un segment dans la population ukrainienne, on a vu le vidéo tout à l'heure, les camps de jeunes, tout ça, et qui sont proches de ces idées-là. Puis t'as aussi, je pense, un segment encore un peu plus gros que je suis pas convaincu à quel point ils connaissent bien l'histoire de ce gars-là. Parce que je suis allé pour le fun lire notamment son article sur l'espèce de Wikipédia ukrainien. Puis ses crimes de guerre sont pas mentionnés. Tu lis l'histoire, là, puis c'est vraiment comme un genre de patriote nationaliste. Ouais. Puis quand on commence à jouer avec l'histoire, c'est jamais. Ben c'est ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, comme je sais pas qui bullshit dans l'histoire, mais c'est un personnage qui est très compliqué. Puis cette statue-là, elle arrête pas de se faire vandaliser. Il y a du back and forth qui se fait. Notamment, je sais que Zelensky, là, il a pédalé comme les politiciens pédalent, là. C'est parce que les nationalistes full ukrainiens. Quand que Zelensky a gagné l'élection en 2019, il n'arrêtait pas de se faire dire. Non, je vais mettre un point là-dessus. C'est un point que je vais revenir dans 2-3 minutes. Mais gardez ça en tête. Vous allez voir que je vais revenir sur Zelensky tantôt. Passe à l'image suivante. J'ai pesé play et l'image avance. Très bon jeu, Battle of Olympus. Vous essayerez ça à un moment donné. C'est donc, le drapeau ukrainien qui est bleu et jaune, qu'on voit un peu partout, c'est un drapeau qui a été adopté pendant le printemps des peuples en 1848. C'est un peu l'équivalent du... Tu sais, quand on parle les révoltes, là, comment ils appelaient ça, les révoltes arabes en 2011, Stéphane? Le printemps arabe. Printemps arabe. C'est le printemps arabe, c'est oui. Arabe, ça, c'est nous autres. C'est nous autres. Donc, le printemps des peuples en 1848, c'est dans l'Empire austro-hongrois puis en Russie. Il y a des grosses révoltes ouvrières. Et c'est à ce moment-là que les Ukrainiens qui se révoltent dans ce mouvement-là contre le tsar, ils adoptent le drapeau bleu et jaune qu'on connaît de nos jours. Ouais. Excuse-moi, dans les commentaires, t'avais Cybervirus qui disait que le bleu, le jaune représentait les champs de blé, puis le bleu représenterait le ciel. Ouais, ça, je l'ai mentionné souvent. En fait, tu prends une image d'un champ en Ukraine, c'est exactement le drapeau. Là, ma photo est à l'envers. En réalité, le jaune, il va en dessous. Le jaune est tout le temps en dessous, le bleu au-dessus. Et vous remarquerez que ça ressemble au drapeau un petit peu de l'Alberta, qui prend le même concept. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est très. Sauf qu'il y a des montagnes. Bandera, il a poussé le concept un peu plus loin. On se rappelle, à côté de la statue, il y avait un drapeau. Ben oui, noir et rouge. Puis là, on voit que c'est du sang sur le drapeau de l'Ukraine. C'est que s'il y a du sang, c'est qu'ils ont remarqué que si tu échappes du sang sur un drapeau ukrainien, le sang dans la partie jaune, il va être rouge, mais dans la partie bleue, il vient noir. Vous allez voir beaucoup dans des manifs ukrainiennes, des choses comme ça. Il y a tout le temps un ou deux drapeaux rouge et noir. Là. Fait que ça, c'est un petit peu symbole nazi. Là. C'est un petit peu symbole nazi, on pourrait dire. Et c'est parce que c'est plus large que ça. C'est les nazis ukrainiens le reprennent, mais tu as aussi du monde qui sont plus... Mettons que tu ferais comme une espèce d'échelle de 0 à 10 à quel point tu es nationaliste. Je comprends. T'sais, on ne s'en cachera pas au sein du mouvement souverainiste québécois. Il y en a aussi des nazis. Ben oui, effectivement. Le mouvement souverainiste québécois n'est pas un mouvement nazi. Puis je lance ça en l'air comme ça, là, mais il me semble que Maurice Duplessis avait des fréquentations assez discutables des fois. Là. Ouais, l'historien Robert Rumilly était proche des mouvements d'extrême droite. Oui, puis le premier ministre du Canada, qui est sur notre 50$, il y a Mackenzie King. Des allégations que les Juifs, il y avait certaines opinions discutables. Bon, en tout cas. Mais bon, c'est ça. Fait quand vous voyez le drapeau rouge et noir, c'est ce que ça représente, c'est... mais en fait, c'est un symbole qui est surtout militariste. C'est-à-dire que c'est que tu prends les armes contre les gens qui ne veulent pas laisser l'Ukraine tranquille. Okay. C'est pour ça que c'est le sang des gens qui se sont battus pour l'Ukraine. Ça transforme le drapeau jaune et bleu en drapeau rouge et noir. Ouais. Ça, c'est la slide suivante. Le gars, il a trouvé quelque chose. Hein. C'est très... J'ai pris cette photo-là d'un Twitter d'un soldat ukrainien. Donc, tantôt, je parlais de Zelensky. Ce qu'on voit, c'est la photo de la Rada. C'est le Parlement ukrainien. C'est un Parlement, une seule chambre, vote proportionnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs partis. Tu vois, à gauche, tu as tous les partis politiques. Ouais.
Servant of the People, servant du peuple, 254 députés. Ça, c'est le parti de Volodymyr Zelensky, qui est actuellement au pouvoir. OK. C'est un... Ce parti-là, je vais y revenir tantôt. En dessous, Opposition Platform for Life, c'est le restant de l'ancien parti des régions. Ça s'appelait vraiment le parti des régions. C'était le parti pro-russe de Yanukovych, qui était au pouvoir avant 2014. Oui. Enfin, le parti pro-Poutine. Oui. Et qu'on soupçonne que l'invasion russe visait à remettre ces gens-là au pouvoir par la force. Excuse-moi, Jason, est-ce que ce parti-là, donc, c'est quoi, Opposition for Life, c'est ça? Oui. Est-ce que ce parti-là trouvait surtout ses assises dans l'est du pays, dans les provinces Exactement. Du Donbass? Exactement. En fait, c'est complètement l'inverse. C'est les nationalistes, on pourrait dire russes, en Ukraine. Il y en a. Et donc, c'était un parti. Puis c'était autrefois, ça s'appelait le Parti des régions. C'était vraiment tu sais, le mot région, le rural. Là, ouais, c'était vraiment ça. Là. Okay. Tandis que les autres, c'est des partis plus des villes. Fatherland, ça, c'est un parti nationaliste, mais pas d'extrême droite. Là. Mais eux, ça, c'est notamment, si vous écoutiez comme moi, ça, je suis tellement nerd là, de savoir ça. Si vous écoutiez comme moi la politique ukrainienne dans les années 2000, c'était celle qui avait deux belles boucles blondes. OK. Timoshenko. Ah oui, qui avait une coiffure ukrainienne typique, là, tu sais, qui ressemble à la Scandinave, là, avec des... Quelque chose à la TV. C'est un parti très pro-Union européenne. La même chose en dessous, c'est dans le nom, hein, European Solidarity. Ça, c'est un autre parti de bobos urbains qui veulent faire partie du monde moderne de l'Europe. Et les autres, là, Voice c'est un parti d'un artiste musical là, qui s'est starté un parti politique. Là. C'est un petit peu des tendances libertariennes. Genre, tu sais, comme... Wow. Le à la Maxime Bernier, le plus avec Old C'est school, genre c'est Kid vrai. Rock, c'est amphétamines, c'est... Ouais, non, mais là, en fait, le gars, c'est plus pop, là. OK. Il est plus... Comment je pourrais dire ça? Il est plus proche de Daniel Tadros que de Bitcoin. T'as pris Daniel Tadros juste pour me faire plaisir. Le restant, c'est tous des micro-partis. C'est souvent des députés indépendants, etc. Ouais, non-affiliés. Quand il y a eu la grosse révolte en 2014, c'était des gens, des Ukrainiens qui étaient vraiment tannés du pouvoir corrompu pro-russe, là, qui s'aidait tout le temps avec Poutine contre l'intérêt des Ukrainiens. Donc, l'Ukraine a comme vraiment viré à droite nationaliste. C'était le parti de Poroshenko, European Solidarity, puis Fatherland, là, qui c'était comme une genre de coalition à ce parlement-là. Okay. Et c'était un parti très ukrainien nationaliste, mais pas à l'extrême. Là. Ouais. Backlash, parce que là, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a fait peur à du monde dans l'est de l'Ukraine. Poutine a exploité ça, il a annexé la Crimée, il a envahi l'est de l'Ukraine. Ça l'a fait comme un genre de backlash dans la population, puis c'est là que Volodymyr Zelensky il a comme saisi la balle au bon, parce qu'oubliez pas que ce gars-là, c'est un russophone juif qui a fait sa carrière à Moscou. Ouais. Très important, ça, dans son cheminement. Lui s'est présenté comme un unificateur. Servant of the People, c'est le nom de son show de télé que vous pouvez trouver sur Netflix. Son show de télé s'appelait Servant of the People. Et il a présenté son parti politique, son lancement de parti politique, pendant le show de Nouvel An 2018. Genre leur bye-bye à eux. Là. Il dit, je me lance en politique, ça va s'appeler Servant of the People, comme mon show de TV. Imagine, c'est plus grand que nature en crise. Si Guillaume Lepage se présentait, puis son parti s'appelait Tout le monde en parle. Ouais, c'est que même ça serait plus genre. Parce que c'est une fiction, tu sais, ça, c'est comme une affaire publique. C'est encore plus fucké parce que. Ça serait plus comme les bougons. Le scénario de Servant of the People, c'est un Ukrainien normal qui se retrouve président. Genre, Rémi Girard se présente, puis son parti s'appelle Les Bougons. Exactement. Pourquoi il y en a des vacants? C'est quoi ça? Tu peux avoir des sièges laissés vides? C'est quoi ça? Le vacant? Ouais. C'est parce que c'est soit qu'il y a eu des démissions. C'est un peu l'équivalent de... Présentement, le siège de Longueuil est vide en ce moment. OK, je comprends. OK. Mais c'est vacant pour différentes raisons.
Dis-moi, Jason, les gens, les 254 députés de Servant of People, est-ce que c'est aussi des amateurs qui se sont retrouvés là par accident, tu sais, genre comme les députés du NPD qui ont été élus? Je vais te dire, Stéphane, j'ai pas été aussi creux que ça dans ma recherche, là. Mais c'est surtout que en Ukraine, les partis politiques vivent pas longtemps. Contrairement à nous, là, c'est les deux mêmes depuis 200 ans. Là. Ouais. Comme tu regardes la carte électorale de, mettons, 2010, la carte électorale de maintenant, c'est pas les mêmes noms. La même couleur. Ben avec la proportionnelle, ça change quand même pas mal plus vite. As-tu comme deux tours, comme en France aussi? C'est ça. C'est une proportionnelle. Mais ça, c'est les députés, by the way. Là. Okay. Un vote différent pour le président. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens... Tu sais, mettons, là, ça marche pas, ben il a fait élire deux, trois personnes, il va s'allier avec l'autre, on va fonder un nouveau parti politique. Voilà. Ça back and forth. Voilà. Svoboda, qu'on a vu tout à l'heure, là, les camps d'entraînement de jeunesse, ils ont déjà eu deux députés en 2014. Et en 2019, ils n'ont pas eu assez de pourcentage. Il faut que tu fasses 5%. Si tu ne fais pas 5%, tu n'as aucun siège. OK. Ouais, bon, OK. Moi, je suis un gros partisan au Canada d'un système... moi, je préférais quelque chose comme l'Allemagne, là, mais d'un système proportionnel. Puis on me dit tout le temps, « Ouais, mais le problème d'un système proportionnel, c'est que tu as des nazis assis au Parlement. » Moi, je fais comme, « Ben, OK. » Genre, comme, il va y avoir une chaise ou deux d'attitude, là. Au moins, on va savoir ils sont où, puis c'est qui les il fans de deux ce nazis, monde-là. Il va y avoir deux, trois communistes, là, tu sais, ouais, comme... Ouais, ouais. C'est pas... C'est un... Je trouve pas que c'est un désavantage... Je suis contre le nazisme, mais je veux dire, comme... Oh, il faut savoir où. Il y a plus d'avantages que de désavantages. Oui, je comprends. Fait que c'est un peu la situation. Mais là, de dire que l'Ukraine est un pays nazi, regarde la carte électorale, je vous la mets en pleine face aujourd'hui, ça tient pas debout, là. Il y a aucun parti d'extrême droite dans cette liste-là. Il y en a aucun. Svoboda, qu'on a vu le truc tantôt, ils ont perdu leur dernier député parce qu'ils ont juste fait 1,5% en 2019. OK. Et les deux, trois autres. Mais c'est ça qui est beau dans ce système-là, c'est que chaque idée politique a genre 8 partis. Là, ouais. Ils divisent tout le vote comme ça. Puis le problème, c'est que Zelensky s'est retrouvé dans une espèce de situation entre deux chaises. Parce que lui est arrivé dans le backslash que je dis tantôt par rapport à la situation russe. Puis qu'il a voulu faire une espèce d'union. Puis là, il a dit, tu sais, moi, je vais apaiser la Russie. Je vais comme danser le tango entre les deux. Ouais. Pour ramener la paix en Ukraine, puis ça. Puis les nationalistes l'accusaient d'être un genre de collabo ou d'être un mou. Hein, on se renvoie tout le temps à notre concept d'état de nature de tantôt. Il a fallu qu'il jongle avec ça. Puis, tu sais, comme il se retrouve là, dans cette espèce de situation, ce qu'il veut se maintenir au pouvoir, ou qu'il essaie de satisfaire les deux bords. C'est un président très populiste. Je dirais un peu à la Macron en France. Là. OK. Tu sais, le business suit moderne. Tu sais, c'est pas un populiste à la Duplessis. Là. Ouais, ouais, ouais. Ou à la je Trump. Comprends. Ou à la Trump, tu sais. Donc, ça, c'est la situation politique en Ukraine. Puis, t'as ce jeu-là, là, que ces tensions-là. Puis, éventuellement, c'est que moi, c'est ma théorie. C'est une des choses que Poutine avait le plus peur. C'est que l'Ukraine prouve que c'est fonctionnel, une démocratie, qu'il n'y a pas une espèce de tyran en place. Ouais. Des critiques, je les appelle les idiots utiles à Poutine, là, qui, parce que le Opposition Platform for Life, le parti à 43 députés, présentement sous la loi martiale, ce parti-là est barré du Parlement. Ils sont tellement comme pro-russes puis avec des liens louches. Poutine, ils ont barré du Parlement. Okay. Là, il y a des gens qui accusent Zelensky d'être un mini-tyran parce qu'il a empêché ce parti-là de siéger au Parlement. Il n'y a plus d'opposition. Ben, il y a encore de l'opposition. Il n'y en a plus. Il y en a encore. Il n'y en a plus. Regarde la carte que tu vois là. Ouais, ouais. Il a juste enlevé 43. Non, il y en a plein, mais il n'y en a plus, Jason. Il n'y en a plus. On va aller voir maintenant l'autre bord. Là, on va aller voir appelons ça les nazis russes. Vas-y, pas s'il plaît. C'est fait, on va... На Украине, как сорняк, нацизм расцвел махровым цветом. И знаю я, кто сделал так. Кому понадобилось это? Я лежать.
Donc ça, c'est un nouveau vidéo, c'est apparu récemment, c'est des cadets de l'armée russe. Parle de pourquoi on faut faire la guerre à l'Ukraine. Parce que excuse-moi, Tommy, tu peux-tu revenir juste en arrière de... Bien sûr. Ouais, c'est là, ok, on voyait la grosse statue en arrière, là. Ouais, du vidéoclip de Pink Floyd. Je savais pas que c'était dans un vidéoclip. Ça, là, c'est le... C'est une... Et c'est énorme, ok? C'est... Comme truc. Et il y a un musée de la guerre en dessous. Oh. C'est un musée, et parce que là, on n'est pas loin du champ de bataille de Koursk. Puis c'est la statue regarde vers l'est, c'est-à-dire qu'elle comme accueille les troupes soviétiques qui viennent libérer Kiev. Et puis t'as plein de chars d'assaut autour, c'est merveilleux. J'étais lâché l'os là-dedans, là, puis t'es pas capable de rembarquer dans l'autobus. Hein? remets le son parce que je veux qu'on entend les mots qu'il dit. Ils ont хотелось ей войны с Россией, старшую сестрою, но память бережно хранит. Как наши деды воевали, и то, какой ценой они нацизму жало оторвали. Ça, c'est la parade de la victoire en 45. Bon, on brûle les drapeaux nazis. C'est le... Отец мой, брат, нам даришь светлую надежду на то, qu'on parle de l'invasion de l'Ukraine. C'est la continuité de la Deuxième Guerre mondiale. Все мамы combat contre Hitler. Молятся за вас. Супруги, сестры, тоже в храме. Pour nos ancêtres qui n'ont pas réussi à éliminer les nazis pour vrai. Как свечами. Я твёрдо верю. Ton travail. Когда ты не отступишь, мой товарищ. T'as marqué les airs un peu partout, hein. Oui, moi je les ai remarqués en tout cas. От этой нечисти избавишь. Я верю, сможешь ты спасти её от страшного заката. Et будут яблони цвести. À un moment donné, on entend clairement, il dit le mot les banderites. Parler des Ukrainiens, vous l'avez dit, c'est des nazis. Ça. Oh boy. Ça circule beaucoup sur Telegram puis VK, les médias sociaux russes. C'est une peinture, by the way, c'est pas une photo. Si vous remarquez, c'est des soldats dans un camion russe Z, là, comme on a vu plein dans les images de la guerre en Ukraine. Si tu remarques comme il faut, là, ils ont des têtes de squelettes. Ben oui, c'est des crânes. Regarde lui à gauche aussi. Là, ben oui. Puis en haut d'eux, sur la pancarte, au-dessus d'eux, c'est écrit « pas d'humain ». Ah! Ça, c'est les soldats russes, je share ça. Les soldats russes qui servent en Ukraine, ils ont pas accès aux médias sociaux, ils se sont fait confisquer. Mais les partisans, je les appelle les Z, là, les gens qui sont partisans de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe, ça, c'est très populaire comme image. Là. C'est un peu comme de l'art pop pour justifier cette invasion-là. Mm-hmm. Et tu seras d'accord avec moi, Stéphane, moi, je trouve en augmentation des représentations de crânes dans l'esthétique militaire. Ça a commencé notamment les soldats américains en Afghanistan, en Irak, qui se mettaient des balaclavas sur des foulards en forme de tête de squelette. Puis, tu sais, c'est beaucoup véhiculé. J'ai remarqué aussi, ils se font faire des gros tatous de squelettes. Et les Russes utilisent aussi cette image-là. Là. C'est très heavy metal. Puis, tu sais, quand ça dit, c'est pas d'humain, c'est de ça représente le sacrifice que tu fais en allant faire la guerre. Mais ça aussi, ça, souvent, c'est pour justifier les exactions que tu vas commettre. Ça dit, c'est les soldats Z. Les humains ne sont pas ennemis. Ça déshumanise le soldat et il trouve ça comme c'est le message que ça l'envoie, je trouve. Parce que c'est fascinant, là, je pesais sur traduction à chaque fois que les gens commentaient l'image. Puis c'était comme, tu sais, on est prêt, là. On est prêt à aller très loin pour vaincre le nazisme. On se rappelait que la tête de mort, c'est très vieux comme symbole militaire. Absolument, c'est le symbole de la cavalerie, là, au 19e siècle. Beaucoup de cavaliers avaient cette image-là. Là, à travers les âges. Mais je veux dire, je trouve ça intéressant de le revoir réutilisé à profusion. Donc là, on va aller faire un tour du côté des Z. On va aller se promener dans la télé russe.
Excuse-moi, Jason, juste une précision, okay, c'est parce que, juste de mémoire, les aides qu'on voit sur les véhicules, tout ça, c'est les troupes qui sont dans le sud, Mariupol jusqu'à Odessa. Non, dans le sud, c'est un Z, dans l'est, c'est un Z entouré d'un carré. Ce qui attaquait Kiev avait un V et ce qui attaquait Kharkiv avait un O. Okay. Mais vu qu'on a surtout vu, parce que les médias russes sont surtout dans le sud, dans les médias russes, on voyait surtout les Z. Mm-hmm. Et ça a été récupéré comme un symbole, c'est leur croix gammée. Là. C'est le symbole qui représente que tu soutiens l'invasion. Puis il y a le Z à ce temps, il est partout. Même si sur le terrain du champ de bataille, il y a encore les distinctions selon les champs de bataille. Là. Mais là, vu qu'ils ont pris tous les tanks à Kiev et les envoyés dans l'est de l'Ukraine, je pense qu'on va avoir des Z mélangés avec des V. Mais ce qui est important, c'est que pour leur auditoire domestique, le symbole important, c'est le Z. Puis tu vas voir là, dans mes prochaines vidéos, il est partout. Là. Ça rajoute une espèce de mythologie. Là. On dirait qu'on s'en va presque dans la religion, comme Machiavel il disait là, que ton soldat il est plus dispendable, là, comme on dit dans le chat et tout. Là. Amener l'idée de la mort puis faire tout vivre ça ensemble. Dans 20 ou 30 ans, là, ça va être à la mode de porter des t-shirts avec un Z. Partout, je veux dire, même ici en Occident. Là. Il y en a déjà qui le portent, tu vois, dans les prochaines vidéos. Mais moi, ça ne me dérange pas, je vais être mort. OK, non, excuse, c'est une image. Ça, c'est Nova Russia. C'est un des médias d'État en Russie, qui est un des plus vieux. Il a été fondé dans les années 40. OK. Là, j'ai fait la traduction. Là. En réalité, c'était tout en cyrillique. Là. C'est moi qui ai ajouté en alphabet pour nous. Là. Ouais. Qu'est-ce que la Russie devrait faire avec l'Ukraine? C'était le titre de l'article. Ça, cet article-là est sorti la veille de dans la lignée de la découverte des massacres qu'on va parler plus tard. Passe au truc suivant. Tu vas nous lire ça à haute voix. C'est la traduction de ce texte-là. OK. J'ai pris les meilleurs bouts. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Ukraine? Parle-nous ton plus bel accent russe. La poursuite de la dénazification de la masse de la population doit être obtenue par la répression idéologique des idées national-socialistes et par une censure sévère, non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans les domaines de la culture et de l'éducation. Calvaire, c'est du génocide. C'est pourquoi une dénazification ne peut pas être réalisée dans le cadre d'un compromis. L'Occident lui-même est le créateur, la source et le promoteur du nazisme ukrainien. L'histoire l'a prouvé, l'Ukraine ne doit pas exister en tant qu'État-nation. Toute tentative de création d'un État conduit au nazisme, l'ukrainisme est une construction artificielle anti-russe. La dénazification de l'Ukraine doit être la déseuropéanisation de l'Ukraine. Les élites de Bandera ne peuvent pas être rééduquées. Elles doivent être liquidées. Le marécage social qui les a soutenues doit vivre la terreur de la guerre. Apprendre la leçon et payer pour sa faute. Voyons, sacrément, qu'est-ce que tu viens de me faire lire là? Il y a un humain qui... C'est l'éditorial de ce journal-là. Là. C'est donc bien la colisse de... Schnaggers, man! Vas-y, là. Ouais. Puis le seul mot que j'ai eu de la misère à traduire, c'est l'ukrainisme. OK. Le Google Translate, il y avait de la misère avec cette partie-là. Mais tu remarqueras les élites de Bandera. Ouais. C'est pour ça que j'ai parlé de Bandera au début de mon show. Puis même dans l'image qu'il y avait juste avant, il y avait un drapeau noir et rouge aussi. Il était en train de nettoyer. Fait que tout est là, man. Eh là, Jason, qu'est-ce que tu es en train c'est de le, ça, by the way, c'est l'entrée. Là, vous allez voir, ça va être de pire en pire. Yeah. C'est rassurant. Ah, mais probablement qu'il... Alors, hier soir, il fallait entendre ce que Vladimir Soloviov devait amener les Russes à penser. On a déjà parlé de lui dans cette chronique. Soloviov est l'un des propagandistes en chef. Il connaît personnellement Vladimir Poutine. Son émission de débat est la plus regardée le soir, juste après la grand-messe informationnelle du 20h sur la chaîne d'État Rossiya 1. Écoutez son ouverture hier soir de son émission de débat. Il est 20h20 à Paris, 21h20. Ça, c'est le Richard Martineau de Poutine. Il est vraiment partout. Là. Позволю себе еще раз начать с четкого и ясного. Je me permettrai une fois de plus de commencer en étant clair et précis pour expliquer la situation.
Dans notre pays, les buts sont définis par un seul homme, le commandant en chef des armées. Et les buts définis par le commandant en chef des armées, pour ce qui est du cours de l'opération militaire spéciale, ont été formulés de façon on ne peut plus claire. Dénazification, démilitarisation, un statut neutre, l'indépendance et la sécurité des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. C'est pourquoi certaines hésitations survenues hier. Heureusement que le peuple a compris qu'il ne fallait écouter que le commandant en chef des armées, ou bien ceux qui sont habilités à commenter certains thèmes. Le ministère russe de la Défense lui travaille selon le principe « les chiens aboient, la caravane passe ». La démilitarisation de l'Ukraine se poursuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les ministères des Affaires étrangères russes et chinois se sont rencontrés en Chine. Lavrov a déclaré que Moscou et Pékin iraient ensemble vers un nouvel ordre mondial, plus juste et multipolaire. À l'évidence, cette rencontre et ces déclarations énervent Washington. Au fait, figurez-vous que cette nuit, tout d'un coup, Biden a interdit le lynchage. Le lynchage, c'est un assassinat de groupe extrajudiciaire, alors que la simulation de noyade, elle, reste autorisée aux États-Unis. Et après, ils veulent apprendre à nos civilisations millénaires à se curer le nez. И потом эти люди учат древние цивилизации ковыряться в нас. К ужасу, к сожалению, и общему нашему молчаливому изумлению. Comment t'as dit ça? Donc, je n'ai pas trouvé en français celle-là, mais il est quand même hallucinant. Si tu peux faire un peu de traduction comme ben tu oui, fais d'habitude. Ben oui, à notre horreur et dégoût, il y a une grande partie des Ukrainiens, pas tout le monde, bien entendu. Украины, украинского народа, безусловно, не все, и я надеюсь, что даже не большинство, но значительная часть оказались охвачены вот этим безумным нацизмом. Qui ont été emportés par la folie nazie. C'est un mouvement de masse. Avant, je pensais aussi qu'il y en avait quelques-uns ici, vous comprenez? Je n'ai jamais pu imaginer qu'il y en avait autant. Mais ça, c'est la première force de l'acting dans l'Ukraine. Non, c'est la c'est la force principale qui fait bouger l'Ukraine. Avant, je pensais qu'il y avait quelques petits groupes et des autorités qui essayaient de les atteindre, qui ont mis un monument à Banderon le plus tantôt, ils organisaient des célébrations. Mais comment on peut laisser que notre peuple, le nôtre à nous autres, qui a battu contre les nazis, on s'est battu contre les nazis, tout le monde ensemble, on avait du fun, et maintenant... Il y a tellement de nazis, mais ils sont nazis! Ils sont fous de nazis, tout de max! Nazis de même, là! Salut, what up, man? Ah, t'as Jason, t'as fermé ton micro. Ça, c'est une remise de médaille parmi les soldats, les milices du Donetsk, qui est la région séparatiste de l'Ukraine pro-Poutine. Là. Tu remarques-tu quelque chose sur la manche à gauche, Stéphane? Je pense que tu es quand même ferré en héraldique. C'est la manche russes, à gauche. Oui, OK. Donc, tu parles des trois triangles sur le fond noir et la tête de mort. Oui, d'accord. Donc, ils ont trouvé des vidéos, parce que là, les Russes, dans leur propagande, on l'a vu tout à l'heure, ils montraient des Ukrainiens avec des croix gammées et des choses-là. Ça, c'est des soldats russes, puis on voit sur sa manche, il y a la Totemkopf des Waffen-SS, et en dessous, les trois triangles. J'ai oublié le nom en allemand, mais c'est un des fameux symboles. Fait que les Russes eux-mêmes ont leur propre milice nazie dans leur rang. Yeah! Mais on n'en parle pas eux autres, parce que c'est des nazis qui dénazifient. Quand on fouille, on en trouve pas mal. Le nazisme, c'est un problème que chaque pays a. Ben oui. Tu te rappelles mon show sur les diagolons, Tommy, on en a au Canada. Oui, ben oui. Ça infiltre l'armée canadienne, c'est une plaie mondiale. Continue. Y a-tu un raid? Ben oui, Big Fat Feline qui vient de venir nous rejoindre. Toujours un plaisir, mon chum. J'espère que vous avez une belle soirée. On est en train d'explorer notre bloc Jason Selected avec Jason et Stéphane Roussel. On est en train de voir des nazis partout d'un bord comme de l'autre, là, si j'ai bien compris. Ça, c'est à Moscou. Il y a un bord qui propagandise. Oh, yeah, je l'aime, lui. Oui. Là, la police arrive. Non, arrête de pousser notre Z. Ça fait vraiment genre club. Oui, effectivement. J'ai vu des boutiques. La madame, elle se promène au centre d'achat, puis il y a genre des tasses puis des théières avec des Z dessus. C'est du vernis à ongles avec des aides. C'est comme. Ils mettent partout ce qu'ils peuvent. Là. Ben oui.
Là, ils ont l'air de le laisser aller, là, mais j'ai lu, il y a eu un article par rapport à lui, puis il est en prison. Là. Ben là, il a pété le gros Z. Oliver n'a pas encore eu le temps de nettoyer la porte de son appartement. Ça fait quelques jours qu'il tente d'absorber ce triste décor. Des aides et sa photo. Tel un criminel, collaborateur, rentre chez toi, dit l'affiche. À 69 ans, ce vétéran de la défense des droits de la personne en Russie pensait que les années les plus sombres de son pays étaient derrière lui. Mais il avait tort. C'est un retour au totalitarisme, tel que nous l'avons vécu jeune, dit Oleg, qui, comme membre du groupe Mémorial, s'est battu toute sa vie pour la justice. Mais c'est à refaire. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat que Z est pour sa porte est beaucoup plus qu'une lettre. Dans le contexte, elle donne froid dans le dos. Devenue symbole de l'invasion russe et de la propagande militaire, elle sert désormais à intimider ceux qui dénoncent publiquement la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Et le cas d'Oleg est loin d'être le seul. Ce genre d'intimidation, fruit de la délation, se multiplie. Tous les jours, le Z apparaît sur les portes des citoyens dont l'opposition est connue, comme Dmitri Ivanov, un étudiant engagé dont la chaîne Telegram diffuse de l'information indépendante. Le graffiti, qui dit « Dima, ne trahis pas ta patrie », est apparu sur sa porte avant le week-end et sur celle de plusieurs de ses amis. Il ne sait pas qui en sont les auteurs ni comment ils ont trouvé son adresse, mais c'est terrifiant. Мне, конечно, страшно, как любой нормальный человек боится, когда принимают новые репрессивные законы. Bien sûr, j'ai peur, dit-il. Ces lois répressives nous menacent de 15 ans de prison. La plupart des affiches portent d'ailleurs le numéro des articles du Code pénal qui prévoit des peines pour toute action qui discrédite le travail des soldats russes. Mais Oleg Orlov dit qu'il ne se taira pas pour autant. Honnêtement, je continue. Parce que j'ai honte de mon pays et mes concitoyens. Ils se mettent la tête dans le sable. Je pense pas que tu vas beaucoup d'écho à tes opinions. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec la guerre ont peur d'ouvrir la bouche. Il y en a encore, comme lui, qui ose manifester, ne serait-ce que quelques minutes pour dénoncer la barbarie, mais c'est tolérance zéro dans toute la Russie. Ça me donne espoir de voir ça, là. Il a arrêté samedi. Ah oui, c'est vraiment du monde courageux, là, c'est cool. Il disait que les enfants méritent de vivre en paix. Il n'y a tout simplement plus aucune tribune pour s'exprimer librement. Tabarnak. Même l'incontournable festival du documentaire de Moscou n'a pas échappé. Le monde à qui on a empêché sensée. De faire du spa dans le milieu de la capitale nationale pense que le responsable de tout ça, c'est un héros de la démocratie, man. C'est hallucinant. L'homme qui l'a aspergé portait lui aussi un Z, secoué, mais pas surpris. Il faut vaincre la peur, a dit Mansky sur le vif. C'est beau, monsieur. Comme les Ukrainiens le font, c'est à nous aussi de se défendre. Il faut se sauver nous-mêmes de cette tyrannie. Il faut le faire pour nos enfants. C'est plus vrai et nécessaire que jamais. Mais Oleg ne sait pas s'il vivra assez longtemps pour retrouver une liberté qu'il a déjà connue. Et selon lui, aucun autre pays qui s'est libéré du totalitarisme n'a replongé dedans comme le fait la Russie aujourd'hui. À quoi bon nettoyer sa porte? Il sait que tôt ou tard, ils reviendront. OK, ça, c'est... checker bien ça. Ça, c'est... j'ai évité pas mal là, de mettre des affaires trop choquantes dans mes derniers shows. Là. Mais vu qu'on va aller parler des théories de conspiration à propos de ce que vous allez voir dans quelques instants, c'est important de passer la vidéo. Donc, si des images là, de corps vous rendent inconfortables... by the way, ça passe aux médias mainstream, là. Il n'y a rien de... Oui. C'est juste que tu es en train de nous avertir qu'on va voir des cadavres. C'est ça, c'est des vrais cadavres. Pour les gens que ça rend inconfortable. Puis après ça, vous allez voir, là, il va y avoir beaucoup de sauce. Ce que je veux montrer, en fait, c'est la conséquence de tout ce qu'on a vu là, dans les discours depuis tantôt. Là. Voici ce que ça donne sur le terrain.
проходит 5 дней, 10, уже 13 дней. Я его ищу, ищу. А потом я подхожу до этого подвала, а женщина... Merci, а, пошла я заяву Красному Кресту, что у меня муж пропал такого-то, такого-то числа. 13 дней я уже его ищу. Они взяли мои данные, все. Я прихожу, а эта женщина говорит: Тань, иди посмотри, может в подвале там два трупа лежит. Может твой муж там. Ой, ребят, прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам. И он 5 дней назад уписанный. И, короче, лицо изуродованное. Но я... Тебе, он же холодный был. И его развернули трошки так. Ну, умятина такая. Ну, короче, у моего соседа фотография его есть. Выстрел в него в голову и изуродовый. Ну, закатован. Ну, мне пошла в Красный Крест и говорю, что мне делать, чтобы собаки не вязали. Це ніяка не спецоперація, що це ніякі там якісь поліцейські дії. Це звичайні расисти-фашисти, і це нелюді, які просто вчиняли злочини проти цивільних людей, гвалтували, вбивали, стріляли їм в потилицю. І про це має дізнатися весь світ. І я ще раз повторюю, в цьому сторіччі людство побачить новий Нюрнберзький процес. Нюрнберзький процес буде відбуватися або в Гаазі, або в Харкові, або в Бучі, або в Ірпіні. Кожний місце. Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти. Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможно? Они... Мишель запустил хэштег «Massacre Буча». То есть нас пытаются провести по югославскому варианту Сребреницы, обвинить в геноциде. Уже Зеленский бьется в истерике. МИД пытается отбивать эту постановочную атаку. Собственно говоря, когда появились первые сообщения о том, что киевский режим обвиняет армию России в... какой-то там резне в Буче, появились первые фотографии. И стало понятно, что это не просто постановка, это людоедская постановка. Я когда montré les photos, que c'était une production, quelque chose qui dit qu'il y a une belle histoire. Les gens qu'on voit à l'écran qui sont morts dans les rues, quoi, ils ont des bandeaux blancs autour de leurs bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, les forces russes avaient déjà parti de cette ville, ils n'étaient plus là. Puis là, soudainement, parce qu'ils ont libéré la ville, il y a plein de citoyens morts à terre. Ils ont tué, dans le fond, ils ont tué leurs propres citoyens pour faire de la propagande de guerre, pour nuire à la Russie, nanana. Oh, man. Come on. God. Ça, ça passe à la TV nationale, genre, c'est le discours des officiels. Ça, c'est Russian One, c'est le Radio-Canada russe. Genre. C'est le Sovlakov qu'on a vu tout à l'heure. Tabarnak. Puis, vous allez, tu vas voir, il y en a des plus saucés que ça, là. God, c'est... Ah, shit. Les cadavres, ça m'embrasse, là. Ben, avant que le premier rapport soit sorti, ce film de production, il y avait pas de cadavres dans les rues quand que nous on est partis, mais là soudainement, là, les Ukrainiens arrivent, il y a des cadavres dans les rues, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Pour ceux qui utilisent le mot cannibalisme, là, il dit dans le fond que les Ukrainiens ont cannibalisé leurs propres citoyens ben en oui, tuant, ben oui, pour faire de la propagande de guerre. Pour faire pareil, ça, ce qu'on voit, comme un tout croche, ce qu'on voit à l'écran, c'est le Twitter à gauche, c'est le Twitter du ministre des Affaires étrangères russe. Okay. Puis en gros, ce qu'il dit, c'est que les troupes russes ont quitté Buka le 30 mars. Et
c'est seulement 4 jours après qu'on a, on a vu... Les, tu vois, il dit c'est 4 days, 4 jours après qu'on a commencé à voir les images des massacres. Ça, c'est ce qu'on voit à gauche. Oui. À droite, c'est le premier vidéo qui est apparu de ça. C'est le, tu vois, en bas la date, le 1er avril. Oui, 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 oui. Ouais. Et la madame a dit, mon frère m'a envoyé cette... ça, c'est une Ukrainienne qui habite aux États-Unis. Elle dit, mon frère m'a envoyé ce vidéo-là. Son frère, le vidéo, là, je ne l'ai pas montré, là, mais c'est comme... En tout cas, tu sais, on l'a vu les images tout à l'heure, là. Mais mon point, c'est que ça, c'est la première fois que, dans le fond, les images des massacres ont circulé. C'est le 1er avril. Ouais. Elle dit, c'est son frère se promenait en voiture dans la ville qui venait d'être libéré. Il y avait ces cadavres-là à terre. Donc, ça contredit l'affirmation du ministre russe à gauche qui dit que c'était plusieurs jours après qu'il était parti, tu sais. Les deux, les preuves sont qui manquent. Là, tu vois, ils vont se fourrer dans leur menterie. Donc, ça, c'est le 3 avril que le ministre a envoyé ça. Ouais. Là, ça s'est mis à rouler là, sur les Twitter, les chaînes de désinformation, la télé russe. Leur premier alibi, c'était que quand les Russes sont partis, il n'y avait pas de cadavres. Ouais. Ouais. Là, on passe au suivant. J'ai pesé play, ouais. Là, on voit, c'est à gauche, c'est l'ambassade l'ambassade russe au Canada. OK. Il partage le 4 avril un article qui s'appelle War on Fake. Au fond, les Russes ont créé leur propre décrypteur. Ouais, ouais, ouais. C'est un fake. Là, ce qu'on voit à droite, c'est le reportage des décrypteurs que vous connaissez de Radio-Canada. Oui. La fausse vérification de faits sur l'invasion connaissent un grand succès en Russie. On voit que l'ambassade russe au Canada partage les articles de ce... Ils ont fait comme un site... Ils sont vraiment wise, là. Ils ont fait un site qui vise à débunker les fausses nouvelles pour créer des fausses nouvelles. Oui, je comprends. Ben oui, c'est comme un mother of all sources. C'est logique. Ouais. Là. Quand tu veux gagner la guerre des réseaux sociaux, tu fais ça, là, c'est sûr. Puis, dans le fond, ça dit, dans le fond, tu sais, ces massacres-là n'ont pas eu lieu... Mais là, c'est super pédagogique puis important ce que tu nous montres là ici. Là, si on voit ce logo-là, la guerre contre des infox, waronfakes.com, ça appartient aux Russes, puis c'est de la merde, genre. Et c'est ce site web-là, War on Fake, c'est créé par les médias d'État russes qu'on a vu tout à l'heure, là, okay. Qui disent que les Ukrainiens, il faut les liquider. Là. Oui. On continue. Tabarnak. Hein. Pouf. Puis là, on voit ça se répand dans la population nord-américaine. À gauche, on a un influenceur sur Twitter. Là, il dit on a des vidéos que la police ukrainienne est rentrée à Bucha le 2 avril pour chercher des saboteurs russes. Et on voit dans cette vidéo qu'il n'y a pas de cadavre à terre. Ça, dans le fond, ce qu'il dit, ça a été inventé. Puis à droite, c'est un gauchiste québécois qui me suit sur Twitter et qui répond. Ça, il l'a répondu, en fait, c'est à notre ami, comment il s'appelle, qui avait le podcast La Terre des Hommes, là. Jérémy. Jonathan. Non, Jonathan, c'est ça. Dans une conversation avec Jonathan, il dit, si vous m'expliquez où j'ai dit ça, tout ce que je dis, c'est qu'entre le départ des Russes de Boutcha et la sortie des photos, il y a Azov. Quand vous voyez Azov, là, il parle des milices ben ouais, nazis. Ben oui, c'est ça, c'est les nazis. Et des mercenaires internationaux, hein, c'est important de mentionner les mercenaires internationaux ben oui. Qui se sont pointés. Dans le fond, ils impliquent que... C'est le deep state. Les cadavres sont apparus en même temps que les nazis ukrainiens et les gens qui sont en faveur de cette guerre du bord ukrainien. Là, passe au suivant. Oh, liste de style. On est rendu le 5 avril, là. Tu vois la date, là? Tantôt, j'ai parti, on était le 3 avril, puis on voit comment ça se diffuse, là. Ouais. Boutcha. Alors, après, je sais pas si vous... Là, il faut que je le présente. Ça, c'est Michel... Colomb. C'est son vrai nom. Ouais, c'est Michel Colomb. Michel Colomb. C'est un complotiste. Il est soft. Soft on the side. Moi, ce que je trouve drôle de Michel Colomb, c'est qu'il est tout le temps là pour défendre... Surtout qu'il y a une dictature dans une controverse, là.
Il est allé à la défense de Gaddafi en 2011. Il est allé à la défense de Assad en Syrie. Puis, à chaque fois que Poutine se fait critiquer, Michel Colomb fait une vidéo. Mais il fait-tu une critique de gauche ou de droite? C'est-à-dire, parce que tu as une critique... C'est un membre du Parti communiste belge. OK, c'est ça. C'est qu'on a, on a ici un extrémiste de gauche. Là. Oui. Michel Colomb, hein? Puis là, c'est quoi qu'il fait, lui? Il dit que, dans le fond, l'Ukraine... Non, mais place, place une vidéo, Tommy. Ah, ben oui, niaiseux. Je vais faire ça drette, là. Vous vous promenez de cette manière-là, ça semble quand même bizarre. Et tout de suite après, on va commencer à diffuser... Quand je vais faire une pause, là, je comprends que tu as plein d'opinions et que tu connais ça full pin, là. Mais un, on parle pas de ce que tu insistes pour qu'on parle. Deux, écoute. Merci. Les photos que vous avez vues. Et le 2 et 3 avril, c'est le récit « Les Russes l'ont fait » qui va démarrer. Alors, je reprends toute la chronologie de Boutcha dans cette note ici. En fait, le 29 mars, il y a donc un accord pour le retrait des troupes russes. Le 30, elle se retire. Le 31, le maire de Boutcha célèbre la libération et ne dit aucun mot sur les morts. Le 1er avril, il y a des photos dans les rues, toujours rien sur les morts. Le 2 avril, les troupes... C'est fou. Comment? Tu sais, la première slide que j'avais montrée du 1er avril, ouais, parce qu'on voyait des morts dans les rues le 1er avril, puis on voyait que c'était posté le 1er avril. Ouais. Lui, ben, il dit 1er avril, photos dans les rues, rien sur les morts. Ouais, ouais, ouais. Il fait juste reprendre ce que le ministère russe a dit, le repackage pour un public français de gauche. Ouais. Puis là, on est le 8 avril, là. Ça, il ne l'utilise plus. A complètement changé. Ah, c'est plus la même chronologie. Là. C'est plus de ça qu'ils parlent. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Tu vas voir, on continue. Okay. Spéciale ukrainienne Safari viennent dans la ville et font le nettoyage. Ouais, parce que là, la guerre russe au complet est comme avec un problème de PR. Les Russes qui l'ont de PR, annoncent une série de nouvelles sanctions qu'en fait, ils avaient déjà préparées. Donc, ce qu'on doit aussi voir, oui, c'est que dans ce récit officiel, il y a plein de contradictions. Quelques heures après la découverte du massacre des civils à Boutcha, lève le son sur là, il va émerger sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Régis de Castelnau, un ancien avocat désormais éditorialiste pour des sites souverainistes, affirme. Les Russes se sont retirés le 30 mars. Le maire de Boutcha est ravi. Quatre jours plus tard, on découvre les cadavres dont on dit qu'il y en a dans tout le village. Même avec les images, ça ressemble furieusement à une mise en scène. Dans la foulée, un internaute proche de l'extrême droite partage un montage vidéo pour soutenir sa thèse d'une manipulation ukrainienne. Tous les médias montrent les séquences de l'unité ukrainienne de Boutcha où les militaires russes auraient massacré des civils. Mais il y a deux erreurs. Un, on voit un des cadavres lever la main. Deux, on voit un autre cadavre se lever immédiatement après avoir joué son rôle. C'est ensuite au tour d'Yves Pozzo-Dibacco. C'est la fin qu'on voyait dans le rétroviseur. Connu pour ses positions anti-vax, de relayer cette thèse d'une manipulation. Vendredi, nous pensions, à la suite des déclarations des négociateurs ukrainiens, que nous allions vers la paix avec la Russie. Et curieusement, sort cette affaire de charnier de Boutcha, comme le faux charnier de Timișoara ou le faux charnier de Rakac au Kosovo qui a lancé la guerre. Comme c'est des anciennes théories. Le message devient viral sur Twitter. On vient de mettre les deux pieds dans le hashtag Timișoara devient tendance sur Twitter. Les internautes comparent les images de Boutcha à celles du faux charnier en Roumanie, une erreur faite par les médias en 1989, une comparaison diffusée par l'extrême droite sur les réseaux. Comme ici avec Philippe Mureur, un ancien conseiller économique de Marine Le Pen. Quelques heures à peine après la découverte des massacres de Boutcha, la thèse d'une mise en scène vient mettre en doute les récits des journalistes sur place, avec des éléments de langage en tout point similaires à ceux des autorités russes. C'est incroyable comme tu perds tes repères moraux. Ça, c'est les satellites. Les images satellites qui ont remonté jusqu'au 12 mars. OK. Principal. Fait que là, on a un montage des images satellites. À gauche, c'est la vidéo du 1er avril. À droite, c'est les images satellites. Hein? Ouais. L'image satellite est avant le 30 mars. Les cadavres sont en décomposition depuis un bout, là. Ah, dude, calvaire. Calice. Puis là, t'as des hosties de bananes de la forêt, puis de Michel Colomb, puis d'autres. Ah, sacrament, Chris.
C'est la seule manière dont tu peux toujours te regarder dans le miroir. Une mère et sa fille. Pace play. Excuse, vas-y, parle, Stéphane. Comme la seule manière dont ces gens-là peuvent se regarder encore dans le miroir puis dormir le soir, c'est de se convaincre que tout ça est faux. C'est la seule, moralement, tu peux pas. Ah oh oui. Ils doivent vraiment croire que c'est faux parce que si tu consciemment tu refuses de voir ces choses-là et que tu t'amuses avec ça, c'est que t'es vraiment la dernière des crapules. Ah, vraiment. Il faut vraiment qu'ils se lavent eux-mêmes le cerveau pour être capable de vivre avec eux-mêmes. Ils font des vidéos pour avoir des clics là, de ça. Oui, en plus. Incroyable. Ah oui. La preuve. Je veux alléger le ton. Le prochain vidéo, je trouve ça beau. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est la résilience humaine. Comment les gens ordinaires s'organisent. Ouais. J'ai dit à la blague, on a en primeur ce soir au Mercronspi des premiers vidéos d'enfants dans des tunnels. C'est-à-dire que pour se protéger des bombes russes, des familles ukrainiennes à Kharkiv vivent dans le métro. C'est vraiment horrible qu'il en soit réduit à ça. Ouais, ce que je trouve fascinant dans ce documentaire-là, c'est l'aspect comment tu essaies pour tes enfants de maintenir, moi, je pourrais dire ça là, comme un... Semblant vie normale. Ah ouais, faut manger, c'est dormir. Normale, oublie pas de te brosser les dents, puis il faut continuer à avancer. Fait, ben fait ouais. Que checker bien comment que ça va se passer. Puis moi, je trouve ce documentaire-là fascinant. Là. Ça dure quelques minutes. À Kharkiv, ce sont les coursives du métro. Des dalles de couloirs étroits et d'escaliers. Elles se sont installées le plus en profondeur possible. Un mois, qu'elles vivent dans la pénombre de ces tunnels, désormais silencieux. Un mois, même. Nous autres, on est en dictature au Canada. Figé par la guerre. Et en haut, il y a continuellement des bombes. Récupérer de l'eau chaude plus haut. Du thé, de la soupe et les animaux de la fillette pour tenir. C'est plus sûr ici, car dans les couloirs du métro, plus haut, on entend les bombardements. Psychologiquement, pour ma fille comme pour moi, c'est mieux. Cette mère de famille a réussi l'impossible. Sa fille n'a jamais entendu les bombes en un mois. Elle a 8 ans et sourit souvent. Ma vie ici est bien avec mes animaux. Mais je rêve quand même que la guerre s'arrête vite et que les Ukrainiens gagnent. Quand ce n'est pas la guerre, Svetlana travaille dans une banque. Mais aujourd'hui, sa vie consiste à protéger sa fille. La tenir le plus loin possible de ces couloirs bondés de réfugiés où l'on entend les bombardements. Ben oui, mec, la souffrance. Aujourd'hui, elle est montée jusqu'ici uniquement parce qu'un spectacle pour les enfants est annoncé. Anastasia, timide au début, mais très vite emportée par les jeux, comme tous les enfants réfugiés de ce métro. Bataille de ballons pendant que là-haut, c'est la vraie guerre. Émouvant moment d'euphorie, y compris pour les parents. Regard attendri de notre mère de famille, même si les cœurs sont très lourds. Bien sûr, je suis heureuse car nos enfants vivent un moment de bonheur. Mais de l'autre côté, je sais que là-haut, beaucoup de gens souffrent. Je suis donc très partagée. Une bulle hors de la guerre, loin des frappes aériennes. Mais il faut vite redescendre. Les couloirs sans fin à nouveau et s'étarrer aux toilettes pour se brosser les dents. Pas de douche. Pas de shampoing possible depuis un mois. Stéphane, t'as mentionné parfois, tantôt ce brossier. Parfois, il y a une longue file d'attente pour les toilettes. Aujourd'hui, ça va, c'est assez propre. Mais souvent, il y a des gens qui attendent jusque sur les quais là-bas. Une mère déterminée à ne quitter ces lieux que lorsque les bombes se seront définitivement tues. Je vais passer au film... Svetlana et sa fille dans cette... incroyable endroit. La vie est belle. Avec l'espoir. Quelqu'un mentionnait dans le chat, justement, la vie est belle là. Ce souterrain, quand les bombardements auront enfin cessé sur cette ville de Kharkiv.
Avec moins de l'estime. En tout cas, hey, c'est, je suis sous le choc, man. C'est très touchant. C'est, ouais. Ouais. C'est. Que ça finisse. C'est Sun Tzu, hein, qui est. Non, c'est. C'est Sun Tzu, c'est ça qui ouais, dit. Ouais, la guerre rapide, là. Faut pas. Faut... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est, ouais, Sun Tzu. Ouais, c'est lui. C'est ouais, ouais, ouais. Pas crisser partout. Ce qu'on a, là, on va faire un petit tour du côté de la guerre TikTok, que j'appelle la guerre TikTok. C'est, on va s'éloigner un peu des ben, c'est quand même les horreurs de la guerre, là, mais ouais. sur les civils. On va aller un peu plus dans le militaire. Là. Je pense que ça va faire titiller notre Stéphane qui se passionne pour l'histoire militaire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la situation militaire en Ukraine le 29 mars. Donc, on voit les zones mauves, c'était les territoires qui étaient occupés par les Russes avant la guerre, hein, la Crimée et l'Est de l'Ukraine. Oui. Les zones rouges, c'est ce qui a été occupé pendant l'invasion en tant que telle. Oui. Et selon les différentes shades de couleurs, là, c'est qu'on voit comment le front se déplace. Si tu vas un peu à droite, tu vois Kharkiv écrit, je ne sais pas si tu vois Kharkiv... Va à droite, ouais, là, Kharkiv. Ça, c'est là qu'il y avait le métro, le vidéo dans le métro ouais. qu'on vient de voir. Tu vois que c'est direct, c'est la ligne de front, là. Ouais, vraiment. Vraiment. Kharkiv, c'est ce qu'on appelle en français Kharkov. Oui, puis j'ai appris parce que j'ai eu un boss à ma job qui était ukrainien. C'était de Kharkiv. Mm. Et moi, toute ma vie, j'ai lu des livres sur la Deuxième Guerre mondiale où c'était écrit Kharkov. Et le gars, il m'a appris que c'est Kharkiv. Ukrainiens. Ils disent pas Kharkov, ils disent Kharkiv. Bon. Et le champ de bataille de... Il y a eu ah ben ça, c'est russe, je sais pas. Là. Ouais, il est juste au nord, je pense, de Kharkov. Au nord, mais en fait, il est où est-ce que c'est écrit Russia? Ouais, OK. Donc, c'est ça. Kharkiv, c'est notamment là que le T-34 a été inventé. Là. C'est une grosse ville industrielle lourde qui a encore... Aujourd'hui, en 2022, la même usine fait encore des tanks, mais pour l'armée ukrainienne, fait des T-72. Mm-hmm. Donc, c'est une grosse ville industrielle que les Russes veulent prendre. Puis c'est pillonné sans arrêt. Là. Il va probablement avoir le nombre de civils morts est probablement très élevé, là, malgré que la plupart se sont mis dans le métro. Là. C'est des gros combats. Le massacre de Boutcha qu'on a vu, si tu vas à Kiev à gauche, Tommy? Et la capitale. Ouais, donc, c'est toute la ligne rouge là, qui est descendue du Bélarus. Et au bout de cette pointe de tarte-là, là, c'est là qu'il y a la ville de Bouka qu'on a vue. Ce sont des zones que les Ukrainiens ont libérées. Là. Okay. Et qu'ils se rendent compte qu'il y a des massacres. Le documentaire qu'on a vu au début date de quelques jours. Parce que j'ai fait le montage que j'ai fait, là, je l'ai fait avant hier, puis avec du stock que j'ai trouvé depuis la semaine passée. Ouais. Mais au fur et à mesure, ils ont découvert d'autres charniers. Ça parlait de 400 morts dans le documentaire qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Mais il y en a découvert d'autres. Ils ont notamment découvert des fosses communes et des témoignages. Là, c'est surtout les personnes âgées là, que les Russes n'ont pas tuées. Mais qui témoignent, genre, mon mari, tu sais, c'est des madames, ils sont venus chercher mon mari, ils l'ont exécuté dehors. Il semble que ce qui targetait beaucoup, c'était des gens qui avaient déjà fait le service militaire, puis en Ukraine, c'est comme tout le monde, là. Et des gens qui avaient été policiers, des choses comme ça, qui pourraient être comme considérés comme aptes à aider la résistance ukrainienne. C'est ce qu'on voit dans toutes les guerres. Donc, on passe au suivant. On va aller maintenant à la même carte, mais je pense que c'est le 4 avril. Tabarnak, man. J'ai fait un petit effet spécial. Et voilà, ça c'est la situation le 7 avril, hier. C'est le fun. Je suppose. Oh oui, t'inquiète. Dans le fond, les Russes se sont complètement retirés de tout ce qu'il y avait dans le nord. Là. Ils ont tout remballé leur stock puis sont partis. Ça leur a pris une semaine. Et ce qu'on sait, avec les renseignements, parce que les Américains ont des satellites, et que toutes les troupes qui étaient là sont en train d'être passées par le Bélarus, par la Russie en train, pour être, on présume, être lâchées dans les environs de Kharkiv et dans le sud. Ce que les Russes essaient probablement de faire, c'est d'isoler l'Ukraine pour que ce soit un pays qui est coupé de la mer. Parce que l'Ukraine, c'est un exportateur de grains, de blé. C'est toute la partie qu'on voit en bas, qui est sur le bord de la mer, là, la partie qui est rouge, et Odessa, qui est à gauche, que heureusement, les Ukrainiens tiennent encore.
Et ce qu'ils pourraient faire, les Russes, en fait, c'est que, mettons là, que tu prends toutes les couleurs qu'on voit en bas dans le rouge, puis tu mets tout ça, un beau rouge régulier jusqu'à la Russie, on comprend que ce qui est. Tu sais, ils essaient de comme créer comme un nouvel État. Là. Ouais. Ben, même aussi, ils ont l'air de couper leurs pertes, là, parce qu'ils ont arrêté ça ici, c'était pas. Pour, c'était pas une fin. Ouais, ça allait pas bien. Militairement, ça allait vraiment pas bien pour les Russes. On l'a vu dans mes précédentes vidéos. Ouais, ouais. Puis, ils estiment que leur perte serait aux alentours de 10 000 hommes. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que les gens sur Internet sont. Parce que là, à mesure qu'ils prennent les photos des tanks détruits, il y a toute une communauté Internet qui répertorie les pertes des deux bords. Ouais. Ils sont capables d'identifier. Tu sais, mettons un tank détruit, ils vont dire « OK, ça, on sait que la photo est apparue telle date, puis c'est tel tank. » Puis à la fin, qu'ils ont tout comptabilisé, ils ont le nombre exact de tanks, de trucks, de véhicules que les Russes et les Ukrainiens ont perdu. Ouais. Et il y a nettement un gros désavantage de 1 sur 4. C'est-à-dire pour chaque un soldat ukrainien tué, il y en aurait 4 Russes qui se font tuer. Ouais. Fait que la Russie, comme militairement, ça va vraiment pas bien. C'est pour ça que... Alors, c'est une catastrophe militaire, ça, ouais. Pour les Russes, là. Peace play. On va aller s'amuser un petit peu dans la guerre TikTok. Donc ce qu'on va voir, c'est quelques footage. Ça, c'est notre cher ami Solokov, là. Il y a aussi un podcast, hein, parce que tout homme qui se respecte a un podcast. C'est son podcast. Tu vois, il a même mis son Z là, sur son laptop. Ah, ben oui. Pay supply, fais-nous une traduction rapide. Fois, il dit qu'on ne peut pas perdre cette guerre-là. On ne peut pas gagner cette guerre ou finir cette opération spéciale et réussir dans les buts qu'on s'est fixé parce que ça va amener à la destruction de la Russie elle-même. Il prend un point de vue cynique. Dans quelques jours, s'il ne débarque pas sur la... Dans quelques jours, si on... Je vais prendre la relève. Go. Dans le jour, si dans quelques jours, on n'a pas pris Odessa, qui est la grosse ville portuaire, il fait comme son faux critique de Poutine. Il dit, si dans les prochains jours, on n'a pas pris Odessa, ben, je comprends pas pourquoi on a starté cette guerre. Peux-tu s'il te plaît? OK, ouais. On appelle ça un faux critique. C'est très utilisé. Là. C'est un peu comme un jester, là, un fou du roi. Là. Ouais. Ce qu'il est en train de dire à Poutine, c'est arrête pas la guerre. Allez jusqu'au bout. Il dit... est-ce qu'on a tout perdu ce monde-là juste pour garder la Crimée, le Donetsk et le Luhansk? Ouais. Le régime qu'on a vu sur ma dernière carte. Est-ce que tout ça pour ça, genre, c'est pour ça qu'on a tout perdu ces soldats-là? Ils se sont battus pendant 2 semaines et ils n'ont même pas encore réussi à libérer l'oblast de Donetsk, c'est dans le sud de l'Ukraine. Ben, ça fait un mois aussi qu'on a rien. Non, mais ça, c'est ce vidéoclip-là, c'était 2 semaines après l'invasion. OK, voilà. Lui, il dit, moi, dans le fond, si c'était moi qui avais géré ça, en 2 semaines, je me serais rendu jusqu'à Lviv. OK, ouais, c'est au bout de la gauche. C'est la ville de Bandera que je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est pas pour rien qu'il utilise le mot Lviv. Pour aller dénazifier. Oui. Tu sais, c'est une espèce de discours... on a des questions. Où c'est que ça s'en va, cette invasion-là? Là, tu pourrais dire qu'il est en train de critiquer Poutine. Ça, il est en train de dire que, dans le fond, Poutine s'est trompé. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu l'interprètes. Ouais. Il dit lancer cette opération-là pour simplement reconnaître la Crimée. Hein, c'est n'importe quoi, là. Puis après ça, comme quoi, tu sais? Peux-tu s'il te plaît? Ils ne vont jamais enlever les sanctions sur la Russie. L'autre, il dit bien sûr que non, ils ne vont pas les enlever. Fuck les sanctions. Pourquoi on a fait cette guerre-là? Est-ce que Zelensky, parce que là, il y avait des petites négociations là, en arrière-fond de cette guerre-là. Dans le fond, ils disent que Zelensky, dans le fond, il était prêt à nous donner la Crimée. Mais là, moi, je pose la question, est-ce que son propre parlement serait prêt à supporter ça? Si Zelensky dit « on met fin à la guerre, puis je vous laisse la Crimée ouais, », lui, ouais. Il dit « moi, je suis sûr que ce parlement nazi-là, ils vont dire non ».
C'est plein de... Tu vois ce que je veux dire par le genre de discours inversé, Stéphane? Ouais, bah oui. Ça crée... Oh, c'est même, tu sais, c'est critiqué pour dire tu vas passer loin. Mmh. Mmh. On l'avait vu la semaine passée, j'avais passé le même, c'était la même gang qui disait si on gagne pas cette guerre, c'est la fin de la Russie. Continue à apaiser, s'il vous plaît. Ouais. C'est la droite de Poutine. Le gars en bas à gauche, là, c'est un Israélien, puis ils l'ont kické dehors de la télé israélienne parce qu'il était trop extrémiste. Ben oui, c'est ça, que où tu te ramasses quand t'es trop extrémiste, tu te ramasses chez RT. Juste continuer la vidéo, Tommy. Je pense que les gens ont compris le point, je voulais amener. Okay. Dans le fond, on a tout fait cette guerre-là pour rien, là, puis on n'a pas atteint nos objectifs. Ça, j'ai trouvé ça très drôle, cette vidéo-là. Continue à peser, s'il vous plaît. Check la taille de la voiture. C'est des soldats ukrainiens. Qui sort, c'est des missiles Javelin. Chacun des tubes que tu vois, là, ça coûte 175 000 $. That's it, hein? Par les États-Unis. Ils traînent ça dans une Yaris. Behind my back. C'est RT News, c'est la télé russe, qui se prend dans un jingoïsme militaire. Ils sont en train de bombarder la ville de Kharkiv qu'on a vu tout à l'heure. S'il vous plaît, les images vont parler de ça. C'est, on va voir, je sais pas si t'es familier avec les orgues de Staline, probablement, Stéphane. Les Russes aiment vraiment les montrer à la télé. Là, on va voir tantôt, ça va être en slow motion. Check bien ça. J'ai la guerre TikTok. Check les bons missiles. C'est à la télé d'État, là. C'est RT, là, le fameux RT News. Là. Ça s'en va détruire plein de nazis. Ouais, c'est des lance-roquettes BM-13 qu'ils appellent, là. Puis le but, c'est de mettre le plus possible d'explosions dans une zone la plus large possible. C'est ça qui tue plein de civils, souvent, là. C'est l'opposé extrême de les missiles guidés des États-Unis, là. Okay. Là, on a ici, ça, c'est une embuscade ukrainienne. Je trouve trop drôle. Puis ça, je dis la guerre TikTok, c'est que ça a l'air d'un jeu de Command & Conquer. Parce ouais, que, vraiment. Le drapeau, là. Vraiment. C'est en banlieue de Kharkiv. C'est une grosse bataille qu'il y a eu la semaine passée. Et, tu sais, il y a des vidéos. Regarde, tu vois, c'est des cocktails Molotov qui lancent. Il y a des vidéos infinies de ça qui sont diffusées, là. Puis tu peux quasiment suivre en temps réel les opérations comme telles, là. les Ukrainiens sont en bas, là. C'est assez impressionnant à regarder, là. Et en même temps, tu vois comme pourquoi il y a plein de... Les villes se font détruire. Là. Ben ouais. Qu'on voit en bas, là, tu vois le tank ukrainien, là, il tire sa colonne de, des transporteurs. Ils ont attendu, protégés par la maison ici, puis les arbres, puis là, ouais, dans le croche. Ils n'ont pas vu avancer. C'est ça. On dirait une affaire. Mais j'ai vérifié comme il faut si c'était pas monté par CGI. Là. J'ai trouvé la même vidéo, mais sans les drapeaux qui dataient d'avant. OK. C'est bon des vrais footage, pardon. Là, comme j'avais mentionné dans mes autres épisodes, là, c'est la première vraie guerre. Les États-Unis ont utilisé des drones en Irak et en Afghanistan, là, mais pas dans un volume. J'écoutais une vidéo aujourd'hui, là, un volontaire américain qui se bat pour les Ukrainiens. Il a son propre drone. Cressant. Il fait son propre reconnaissance avec son propre drone sur son téléphone. Guy TikTok, hein? Oui, tu vois, ça c'est encore là, dans le même genre, là, mais ça c'est du côté russe. C'est tantôt ce qu'on a vu, c'est le côté ukrainien, ça c'est le côté russe. Les deux font la même affaire. Ça marche en esti, man, le gars. Il n'y a plus aucun nazi. La fameuse ville de Mariupol, là, ça c'est, je pense que c'est là qu'il va y avoir le plus de morts civiles. Ouais. La ville a été rasée d'un bout à l'autre. Là. C'est du level Stalingrad. Là. Ouais, ça ressemble à Sarajevo ou ça ressemble à. Ouais. Comment s'appelait cette ville là, qui a été complètement rasée aussi comme ça? Tous les édifices étaient comme ça. C'était en Croatie, en Bosnie. Vukovar. Ouais, Vukovar, oui. J'allais en Bosnie en 2013. Si vous voulez chercher un pays peu visité qui vaut la peine, là, Sarajevo, là, c'est un très beau voyage. Tu vois encore, en fait, les buildings ont encore des trous. Là. Il n'y a plus aucun nazi nulle part. Ah, c'est terrible, là. C'est tout des HLM, là.
C'est dans Mariupol qu'il y avait la grosse fabrique, la grosse fonderie. Que tu oui, ben on la voit en fait en arrière, ouais, en haut à ça. Droite. Okay. C'est l'Azovstal, qui est la plus grosse fonderie de fer en Europe. C'est l'industrie principale de cette ville-là. Ça, c'est gros comme Québec, hein, by the way. Là. Mariupol, ouais. Là, c'est 400 000 habitants. Là. C'est vrai que Toy, ça vieillit bien comme ça. Puis ça, tu vois, ça, c'est les restants de. C'est une embuscade sur des. Quand je parlais tantôt, les pertes russes effroyables. Ouais. Comment qu'il y en a. Ça, c'est une autoroute à Kharkiv. C'est n'en plus finir, là, des tanks détruits puis des camions. Pays suppose ici. Ça, c'est, j'arrive à la fin. C'est les 6 scénarios. La plupart des experts militaires s'entendent. Comment que cette guerre-là pourrait finir? Plus tu vas à gauche, plus c'est les Ukrainiens qui gagnent. Plus tu vas à droite, c'est les Ukrainiens qui gagnent. Les Russes, je veux dire. On voit, tu sais, à gauche, en haut, c'est l'Ukraine telle qu'elle était au mois de février avant que l'invasion commence. En dessous, c'est un retour aux frontières de 2014. Au milieu, c'est en haut, c'est une victoire là, phérique russe, c'est-à-dire qu'ils réussissent à prendre le sud de l'Ukraine, puis dans le fond, la seule affaire qu'ils ne réussissent pas à prendre, c'est le petit bout à l'ouest qui est Odessa. Ouais. Une victoire à la Pyrrhus, c'est ça que ça veut dire? À la phérique victory, c'est phérique. Oui, mais en français, ce serait victoire à la Pyrrhus, non? Oui, c'est exactement ça. C'est moi qui ai mal traduit. Là. Parce que ça veut dire qu'une victoire. C'est une victoire sans lendemain ou une victoire... Ils n'ont pas atteint leurs objectifs de guerre. Tu comprends? OK. Puis, tu sais, moi, je pense qu'on va avoir de quoi qui ressemble à ce qui est au milieu. Oui, ben, je pense que ça va être la victoire russe russe à la Pyrrhus. Oui. La version ici plus que cette version-là. Ici, celle en bas, Liberated LDPR, est encore possible parce que le petit bout au-dessus de la Crimée, là, les Ukrainiens sont en train de faire une contre-attaque. C'est la ville de Kherson. OK. La ville de Kherson est juste au-dessus de la Crimée. Là, et c'est les robinets de la Crimée. La Crimée est un territoire très aride et qui irrigue son eau de la ville de Kherson, okay. Qui est sur le bord du Dnieper, qui est le gros fleuve là, qui traverse l'Ukraine. Ouais. Il faut absolument que les Russes prennent cette ville-là. C'est dans leur objectif. C'est pour ça que c'est une des premières places qui sont allées lors de l'invasion. Okay. Mais les Ukrainiens sont en train de la reprendre. Ça pourrait faire des complications à long terme sur la Crimée à cause de la question de l'eau, comme j'ai mentionné. OK. Ah, oh, mais sérieux, je pensais que... Je savais pas que c'était salé, l'eau dans la mer Noire. Je pensais que c'était de l'eau potable. Genre, je sais pas pourquoi. Ouais. Ben, ouais. Je pense pas que ça a rapport. Ben, mon point, c'est que moi, ce que j'ai lu, okay. C'est vraiment une question d'irrigation des champs. Ah, mais je te crois totalement. Je sais pas la mer. C'était la, plus. Je voulais demander le fameux quiz que tu passes tout le temps au douteux, là. Ouais, bon, ouais, c'est ça, la mer Noire. Fait qu'on continue sur on pèse play. À quelle couleur est la mer Noire? Ça doit dépendre de l'heure du jour. Le cours des événements. Mais nous nous accordons... Ben, mot de leçon, Tommy. Ça, c'est notre chère Marine. En 2017, face à Marine Le Pen, Vladimir Poutine l'affirme, pas question d'influencer la politique française. Mais difficile de le croire sur parole lorsqu'on regarde sa stratégie dans l'Hexagone. D'abord, il mise sur des personnalités qui soutiennent très souvent le Kremlin et qui tenaient par exemple ce genre de discours à la veille de la guerre. Est-ce que Poutine un jour a menacé d'une guerre? Non. Je vous rappelle que c'est tous les jours les Américains qui nous annoncent que la guerre est pour demain. Thierry Mariani, ministre sous Nicolas Sarkozy, est depuis 2019 au Rassemblement national. Dès 2015, il défend l'annexion de la Crimée par la Russie et appelle les Européens à en faire autant. Il multiplie... Je vais aller vérifier la mer Noire, c'est de l'eau salée. En 2019, il y rencontre même Vladimir Poutine. Mais le Parlement européen le met en 2021 sur liste noire pour avoir effectué de présumées fausses missions de surveillance électorale en Crimée et en Russie. C'est la Russie qui finançait les voyages. Et le RN de Marine Le Pen a aussi trouvé un soutien financier dans ce pays en 2014. Le parti a contracté un prêt de 9 millions d'euros auprès d'une banque russo-tchèque. La candidate ne cache pas non plus sa russophilie. Avant la guerre, ses prises de position sur la Crimée étaient claires. Il est stupide de la part de l'Union européenne d'être entré dans une guerre froide à l'égard de la Russie. Rien ne le justifie. Autre méthode du Kremlin, nommer des personnalités françaises dans ses grandes entreprises.
Par exemple, François Fillon, ancien Premier ministre, nommé au conseil d'administration d'un géant de la pétrochimie russe, le dirigeant est un proche de Vladimir Poutine. Quelques semaines avant, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, voici ce qu'il affirmait à propos de la Russie. Le mécanisme de sanctions est stupide et illégal. Les oligarques proches du président russe repèrent en France les faiseurs d'opinion qui pourraient leur être favorables. Ce fut le cas d'Éric Zemmour, comme l'a révélé le JDD. Approché par un homme d'affaires, il est invité en Russie. À la télé publique, il donne le ton. La crise en Ukraine est une crise artificielle créée par les États-Unis. Créée par les États-Unis pour séparer l'Allemagne et la France de la Russie, dit-il ensuite. Le Kremlin a donc bien développé son carnet d'adresses en France. Mais l'invasion de l'Ukraine est aujourd'hui dénoncée quasiment à l'unanimité dans la classe politique. Et certains soutiens d'antan se font aujourd'hui plus discrets. Ben oui, hein. Comme Trump, il en parle plus. Hein. C'est pour vous changer les idées un petit peu. Le chien! Montre le son. Je suis pas mal dans le fond. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos d'Ukrainiens et leurs chiens. Ils ont compris que tu vas avoir des views sur Internet. Ouais. Tu mets des chiens. Il y en a vraiment beaucoup, là, j'ai mis un exemple. Ah, ok, pause, pause. Il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat pourquoi la Crimée sur mes cartes était restée russe. C'est avant tout une question militaire. C'est très difficile de prendre la Crimée militairement. Vous en parlerez aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et les Soviétiques qui ont essayé de la reprendre. Vous irez voir sur Google Maps, là, il n'y a pas beaucoup de... C'est une espèce d'île. Hein? C'est une île ou une presqu'île? Presqu'île, OK, parce qu'il y a un petit passage terrestre. Là, qui il y a un petit passage terrestre et les Russes, à l'est de la Crimée, ils ont bâti un pont. Elle fait passer à notre pont de la Confédération, là, un pont sur la mer. C'est à peu près les deux seules places que tu peux passer. Le pont dans une guerre se ferait détruire, bien sûr. Mais c'est très difficile. Puis tu as juste à lire sur la Deuxième Guerre mondiale, le fameux siège de Sébastopol. C'est une zone. C'est probablement. C'est pour ça que les Russes y tiennent aussi. Très facile à défendre. C'est là qu'ils ont mis la plupart de leur. La fameuse flotte de la mer Noire. Ouais. Elle est basée en Crimée, notamment à cause de ça. Ouais. C'est une forteresse. Là. C'est très, très difficile à prendre. Bon, voilà. À part, bien sûr, si tu coupes l'eau. C'est ça que j'étais pour dire. C'est ça j'étais pour dire. Fait qu'on pèse. Donc, ce qu'on voit ici, tu te rappelles, Tommy, de notre cher Pays Supplé. On va le laisser rouler. Ça, c'est mon vidéo de fin de soirée. Ce que vous voyez avec le ballon, c'est notre cher ami Ramzan Kadyrov. Tu te rappelles qui il est, Tommy? Ben oui, c'est le Tchétchène, là, le musulman. Ça le sauce. Seigneur de guerre tchétchène. Oui, qui donc, faisait semblant qu'il dans était... Dans un gymnase à l'école en Tchétchénie, il va essayer de faire un panier. Pays supplé, t'as pas besoin de l'arrêter. Non, je vais les images parlent d'elles-mêmes. On se rappelle, hein, on avait regardé le vidéo de Poutine qui joue au hockey. Ah oui, c'est un héros. Donc, hop! Montre le son, là, Tommy. C'est drôle d'entendre les réactions des gens. Là. C'est comme... C'est tellement awkward. Là. Mais là, vas-y. Voyons, t'es donc bien pas bon. Et vous vous rappelez les vidéos que j'avais montrées avant de Kadyrov, hein? C'est vraiment le commandant Cobra, là. Tu sais, comme. Ouais. Il se présente tout le temps comme un tough, whatever. Tu sais, il est tout le temps entouré de gardes armés. Puis là, mais là, on arrête tout. Je voulais montrer qu'il est capable de faire un panier, mais. Check bien ça. J'ai mis une petite réplique, une très belle réplique. Vous me direz si vous le reconnaissez. Hey, c'est Barack. Et voilà. Le panier en sortant. Hey, hey, Barack. Les champs de tournesol. Tu posais la question tout à l'heure. Là. Ça, c'est le drapeau ukrainien. C'est ça que ça représente. Ouais. C'est pas des ça, c'est by the way, c'est du canola. OK. Puis, pareil, ça fait nickel, là. Ça va-tu être le dernier Jason Selected de cette semaine? Ça va-tu finir, ça? Malheureusement, non, mais je pense qu'on peut continuer à faire des shows le jeudi. OK. Merci beaucoup, Jason. C'était le Jason Selected, mesdames et messieurs. Bon, oui, on en veut d'autres, on aime ça. Oui, moi, j'aime beaucoup ça.